Et c'est à présent, chers auditeurs, vous le savez, puisque vous connaissez les repères de cette émission, l'heure des exercices qui, comme à chaque fois, sont livrés par Clara, Thomas et moi-même. Honneur aux dames. Aux États-Unis, après 3 rendez-vous galants, un homme a demandé à son date de lui rembourser ses consommations. Moi aussi, je peux faire des brèves. Alors, comment s'appelle ce comportement ? A, le bon sens. B, si la femme a plus de 65 ans, une visorectitude. C, une goujaterie. Vous avez vu, Alex, j'ai mis la bonne réponse en C, comme vous à midi. C'est tout le principe de... Alors, je sais bien que les exercices sont parfois pas malins, mais il ne faut pas dire où est la bonne réponse. Vous voyez. Ah non, oui, donc je ne vais pas faire de réponse D. Non, de toute façon, je regarde votre feuille, vous n'en aviez pas de réponse non, D. Voilà. On est bien avec ça. On enchaîne avec mon exercice, regardez bien comment on fait. Ce soir aura lieu la 46e cérémonie des Césars. Petit exercice culturel, dans la liste suivante, retrouve le film qui est nommé dans la catégorie meilleur film. 120 vaccinations par minute d'Olivier Véran, un film de science-fiction magnifique où toute une campagne de vaccination se déroule trop vite. Tous les bisous dans le cou du monde, réalisé par Patrick Poivre d'Arvor, film très touchant, trop touchant peut-être. Antoinette dans les Cévennes, réalisé par Caroline Vignal, à ne pas confondre avec Antoine et dans les Steven, très bon porno gay, par ailleurs. Le fabuleux destin de Canal+, réalisé par Vincent Bolloré, comédie hilarante dans laquelle un milliardaire achète une chaîne de télé et vire tous les humoristes dès qu'ils se mettent. J'ai l'impression que quelque chose nous brouille l'écoute. Alors comme chaque jour, en compagnie d'Alex et Thomas, merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux. Nous passons à mon exercice. Le déploiement de la 5G a été autorisé à Paris mercredi, mais que signifie 5G ? Réponse A, le G vient du Gates de Bill Gates et le 5, c'est le nombre de doigts de votre main qu'il contrôlera grâce au vaccin. Hashtag nous sachons. Réponse B, du G5, groupe de pays réunissant les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni et qui vous contrôleront tous grâce au vaccin. Hashtag nous sachons. Réponse C, cela vient des 5 GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui vous contrôleront tous grâce au vaccin. Hashtag nous sachons. Ou alors la réponse D, des 5 personnalités dont le nom commence par un G, Garou, Goldman, Gorillaz, Gims et Gotener, qui vous contrôleront grâce au vaccin. Hashtag nous sachons. Alors. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, parce que je vous aime beaucoup les deux là, mais en fait, il faut une bonne réponse dans le. Elles y sont toutes, Alex. Hashtag nous sachons. D'accord, alors ben voilà, on vous laisse avec cet exercice. Démerdez-vous, les corrigés seront sur Facebook. Merci.